c'est beaucoup quand même. Hein. Non, mais vas-y, mets la moitié au moins. Ah, puis allez, oh putain, les crêpes. Elles vont être bonnes, hein, mon ami. Écoute, hein, oh, on n'est pas ça, on n'est pas là pour rigoler. Hein. Ah non, on rigole plus là. Ah non. Non, il faut mélanger. Non, je la laisse faire. Il faut mélanger, alors. Comme il faut, ça. Comme ça, doux, gentiment, en tournant. Oui, non, non, c'est vrai, tout doucement. Ça, attends. Faut pas faire des grumeaux. Non, voilà. Mais il n'y a pas besoin. Remarque, elle a raison, le fouet, ça évite les grumeaux, mais bon. Oui. Ouais. Il faut casser un peu les œufs. Mais voilà, si tu le fais doucement, les grumeaux, ils vont pas se faire. Non, 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 non. Si tu touilles fort, tu rajoutes petit à petit les trucs. Tu vois, voilà, ben, tu peux continuer, mais vas-y lentement comme ça. Voilà. Mais ça va pas faire les grumeaux. Voilà. Ça peut pas. Tu filmes ? Oui. Bon, on a de la compagnie. C'est un cours de cuisine. On fait les crêpes. Ils vont dire, oh, c'est bizarre des pancakes pour le dîner. Ah ouais. Là, ils font des pancakes. Tu le fais qu'avec du lait ou tu mets de l'eau? Ah non, non, ah non. Les vraies crêpes, tu mets jamais d'eau. Hein. Les vraies crêpes, il n'y a pas d'eau là-dedans. Mais moi, je trouve ça quand même bizarre. Non, mais là, arrête. Une canadienne, italienne, française, voilà. Allez, fasse des crêpes alors qu'il y a une bretonne ici et que la bretonne, elle fasse pas les crêpes. Oui, mais c'est parce que Cédino a dit que c'était toi qui étais la déléguée aux crêpes. Une bonne idée, hein. C'est toi la déléguée aux crêpes. Il m'a pas dit que c'est Véro qui l'a déléguée aux crêpes. Parce que Véro, elle veut pas. En plus, toi, tu l'aurais pas fait comme ça. Tu aurais fait la même. Non, mais pas la même farine. Bah, si, moi, j'ai même pris la farine. Comment ça, pas la même? Ah, tu parles des galettes, toi. Ah, bah ouais. Ah, la farine de sarrasin. Oui, bah, ouais. Non, mais non, là, on parle de crêpes, c'est pas la farine de sarrasin, les crêpes. Tu vois, là, ça va pas faire des grumeaux comme ça. Là, on fait ça bien, regarde. T'as vu ça ou quoi? Alors, quand un pancake atterrit. C'est une blague? Oui. Tu connais pas l'histoire? Avec, attends, ça, faut que tu. Je te passe le lien internet. Le lien. Avec. Le lien, comment. Gad Elmaleh. Du YouTube. Oh, mais j'adore Gad Elmaleh. Attends, Gad Elmaleh. Qui... Le gars, il lui dit. Ouais. Alors, si vous gagnez les millions, qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, il dit, ben, je vais aller voir. Non, c'est pas comme ça. Il dit. Ah, ben alors, vous allez gagner. Si vous répondez à cette question, vous risquez de gagner. 50 000 $ par exemple. Il dit, oh bah ça en fait de la pute de luxe. C'est que des trucs comme ça. C'est drôle. Alors, c'est drôle. Réponse. Et si Gad Elmaleh, il fait tous les personnages. Ouais. Réponse A. Alors non, il pose la question, puis c'est réponse A. Réponse A. Alors, quand un pancake atterrit à Toronto, on dit petit A, c'est un pancake volant. C'est un pancake qui, je sais plus, enfin bref, petit C, autre chose, petit D, la réponse D. C'est du n'importe quoi. Mais c'est gros, un gros n'importe quoi. Je m'en rappelle plus, mais c'est trop drôle. Voilà, ben on y arrive, il n'y a pas de grumeaux, regarde comme elle est belle ta pâte. On peut quand même. Ouais, mais c'est rien. Alors, j'en remets un peu. En fait, c'est quoi la différence avec les pancakes? Je crois qu'il y a plus de farine. Les pancakes, tu les mets plus... Et le beurre. Alors après, si c'est trop liquide, ouais, ça va pas le faire. Donc du beurre, t'en mets combien? Ah, j'ai une louche. Là, j'ai mis... Génial.